Trouvez le thème principal. Dans chaque liste, encercle le mot qui ne correspond pas au thème. Alors, encercle, alors tu sais c'est quoi encercler? Encercle, c'est comme ça ici, tu encercles avec ton crayon. Alors, tu dois encercler le mot qui ne correspond pas au thème. Par exemple, on va faire le numéro 1 ensemble. Soccer, hockey, baseball, lecture et football. Alors, quel mot ne correspond pas au thème? Alors, quel est le thème de ces mots? Soccer, hockey, baseball. Alors, madame voit que le thème ici sont les sports. Alors, quel mot ici n'est pas un sport? Est-ce que c'est soccer? Non. Hockey? Non, hockey, c'est un sport. Baseball? Est-ce que c'est un sport? Bien sûr. Lecture. Je ne pense pas que lecture est un sport. Mais voyons le dernier. Football. Ah, le football, c'est un sport. Alors, madame, encercle lecture. Tu encercles lecture ici. Alors, numéro 2. Tu as orange, pamplemousse, concombre, citron et mandarine. Alors, tu dois trouver le mot qui ne correspond pas au thème ici. Il y a peut-être quelques mots qui sont difficiles pour toi. Je vais regarder ici. Ici, c'est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de noms d'oiseaux. OK? Alors, merle, corneille, cardinal et mésange, ce sont des oiseaux. Alors, c'est peut-être un peu difficile pour toi. Ça, ce sont des noms de fêtes, c'est bien. Ça, ce sont des noms d'animaux. Gerbille, c'est une petite souris que tu peux garder dans une cage chez toi. Ça ressemble à un hamster. Ensuite, ça, tu connais, c'est les jours et les mois de l'année. Ici, ça, c'est les parties de peut-être ta maison ou de ta salle de classe. Plafond, ça veut dire ceiling. Plancher, ça veut dire floor. Fenêtre, tu sais c'est quoi? C'est window. Porte, aussi, tu sais c'est quoi? Ciel, ça veut dire sky. OK? Bonne chance, les amis!